Ah, il est stylé ton perso. Regarde-moi ça. Ah ouais, claque. Là le style, hein. Allez, c'est parti. Mettez-nous. Mettez-nous qui est la hantise des grand final. Et le côté grand final. Hey, ça commence très très loin avec Edouard. On a les deux Pokémon sur le terrain qui sont chromatiques. Hein. Du bruit à côté, ça fait bien trop de bruit. Le bouclier carcan qui s'active sur le Meteno, bouclier carcan, voilà, c'est une coquille de protection qui s'active sur ce Pokémon et dès qu'il descend à 50% de ses points de vie, pardon, la coquille se casse et fait apparaître la boule magique. Allez. Oh, tout ou rien. Ben bien sûr. Et on va... Et c'est environ suffisant, bien. Mais c'est un double KO. Le tout ou rien, comme je vous l'avais expliqué, on sacrifie ses points de vie tour à tour. Voilà, c'est un des meilleurs utilisateurs de cette attaque parce qu'il est très rapide. Le tout ou rien, voilà, vous sacrifiez la totalité de vos points de vie et ce total est rapporté à l'adversaire. J'ai hâte de voir le Pokémon. Ah, le concours baf, parfait, contre Trioxydre. Pourquoi ? Ah, j'avoue. Alors, concours baf qui est un des nouveaux Pokémon de cette 7ème génération, c'est un Pokémon entièrement de soutien. Qui est venu vraiment pour embêter l'adversaire et aider ses alliés. Un Pokémon très spécial avec une capacité qui est assez atypique. Hein. Ah, attention, le demi-tour. On va retirer Trioxydre pour le placer chez Spectrolo qui va être remplacé par Metalo. Oh, attention, ça part sur une attaque Z. Qu'est-ce que c'est que cette attaque Z? J'avais complètement bien le je la connais pas celle-là, c'est la poison. Oh, comptez toutes ces stats. Purification Z, mais cela est. Ah, c'est chou. Alors, il doit y avoir une histoire de statistiques maintenant. Un trou partout. Ah, oui, parce que c'est vachement bien dans Soleil et Lune, les amis. Quand vous êtes sur l'écran tactile, vous pouvez appuyer sur l'écran tactile pour voir les statistiques. Là, du coup, on l'a vu, la purification a échoué. Mais quand on est sur une attaque Z, ça modifie totalement l'attaque. Et derrière, toutes les statistiques du combat ont été surboostées. Et la Méga Gemme s'active pour avoir le Méga Métallos sur le terrain. Méga Métallos, attention, Pokémon très imposant, très rapide, très puissant. Et le petit coup de boule qui va frapper de plein fouet le concours baf, mais qui a eu des boosts partout, hein, il ça. Fait relais. Ça risque bien. Ah, c'est un concours baf qui joue sur le relais. Je sens venir l'arnaque. Est-ce qu'on n'aurait pas Pokémon avec une force ajoutée derrière? Oh, attention, Altaria qui fait son entrée sur le terrain. Pokémon de type Dragon Ball qui a aussi une méga évolution. Méga évolution qui le fait passer au type Dragon Ball. Aïe. Là, le relais en fait permet tout simplement de passer les statistiques du Pokémon qui s'est boosté auparavant à celui qui arrive sur le terrain. Et la gemme Sésame, voilà, qui s'active. Et il y a Altaria. Il est comme très très beau ce Pokémon. J'adore ce Pokémon. Ah, attention, le piston pour ça c'est bien vu sur le type B, ça pourra faire des très très bons dégâts qui restent. Oh, défensif. Ah ouais, mais ça tient, hein, ça tient. Et derrière, la déflagration sur Metalos. Oh, c'est très bien vu ça. Attention, derrière, il nous reste encore le Trioxydre. Ah, ça va être compliqué là. Ah bah, type B. Hein. Là, ça va être compliqué, hein, parce que le type dragon est efficace sur le type dragon, évidemment, et le type B sur le type dragon. Alors là, ça va jouer vraiment speed tie, hein. Qui va être le plus rapide? Le Vibre Obscur. On n'a pas d'attaque dragon sur ce Pokémon. Il n'a pas d'attaque dragon sur Trioxydre, c'est terrible. Et bien évidemment, le mégaphone. Le mégaphone, et c'est bravo. Terminé. Ah bah oui, je suis bête. Bah oui, si tu fais une attaque dragon, ça sert à rien. Il y a un type fait. Réveille-toi, Rémi. Et c'est la victoire de Xeville. Bravo, Xeville.